Ça va, ça va.
chez vous encore. Encore. Ok. Acclamons maintenant très fort. Merci. Merci. Nous prions et faisons appel à ton esprit de descendre, de prendre le contrôle de tout ce qui va se faire ici. We pray and ask your spirit to come down here and take control for everything that will be happening here. Tu commences avec nous et que tu termines avec nous. That you may start with us and finish with us. Alors que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. As we ask you in the name of Jesus Christ, our God. Amen. 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 Ok, donc nous n'allons pas traîner. We won't take long time. Comme le temps est déjà avancé. Since time is gone. Nous allons directement passer au service. We'll go straight to the service. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. While we're still standing, we shall read the word of the Lord. Nous allons prendre Genèse chapitre 2, verset 21. We're going to read in the book of Genesis chapter 2, verse 21. Genèse chapitre 2, verset 21 à 20 à 24. From verse 21 to verse 24, we shall read. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et qu'il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Voilà. À qui demanderai-je la main de cette jeune sœur, est-ce que les parents sont là? To whom shall ask the hand of this young sister? Ok, acclamons d'abord très fort. Il faut donner le micro à frère Alain. Frère Alain, est-ce que tu acceptes devant les saints et devant Dieu de donner votre fille ici, Sarah, à notre frère Zoé, ici présent, est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions continuer ce service de consécration? Que Dieu bénisse, pasteur. Nous sommes vraiment d'accord à 100%. Son cher bien-aimé, so, beloved one, nous sommes rassemblés ici en face de Dieu. We are gathered here before God. Et en face de cette congrégation. And before this congregation, pour unir cet homme et cette femme. To unite this man and this woman. Dans cette sainte union de mariage. In this holy union of marriage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme étant quelque chose d'honorable parmi tous les hommes. Which is recommended by Paul like being something honorable among men. Il n'est pourtant pas donné à qui que ce soit d'y entrer imprudemment. Yet it's not required for anyone to get in without taking being careful. Ou avec légèreté, mais judicieusement, raisonnablement dans la crainte de Dieu. But reasonably in the fear of God. Dans cette cérémonie, ces deux personnes ici présentes. This holy ceremony, these two people here present, sont venus pour être unis. They have come to be united. Il y a des gens ici qui peuvent montrer un motif juste pour lequel ils ne devraient pas être unis dans ce mariage. If there are people here who can show a real cause, reason why they shouldn't be united in this marriage, qu'ils le disent maintenant. Let them speak now. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Is there anyone here? Je pense que ce mariage ne veut pas avoir lieu. Who thinks that this wedding shouldn't be happening? Il le dit maintenant. Let him say that now.
Donc, ou alors vous gardez le silence pour toujours. Amen. Or else keep quiet forever. Je vous exigerai à vous et vous demanderai vous deux, comme vous répondrez sûrement au jour du jugement. Or require and ask you too, as you shall answer on the day of the judgment. Lorsque les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Where the secret of all heart will be revealed. Si l'un d'entre vous connaît quelque chose qui pourrait empêcher que ce service puisse avoir lieu. If one of you knows something that will prevent this service from continuing. Quelque chose légalement pour que empêcher que ce service puissions le faire légalement. Something that will prevent that this service take place legally. Confessez-le maintenant. You may confess it now. Sœur Sarah, est-ce que tu connais quelque chose qui peut faire que ce mariage ne puisse pas avoir lieu? Acclamons pour le Seigneur. Frère Zoé, est-ce que tu connais quelque chose qui pourrait empêcher que ce service puisse avoir lieu? Non, pasteur. Acclamons pour le Seigneur. Mais croyons que vous avez dûment réfléchi à cette responsabilité sacrée, que vous vous êtes au point d'assumer. But believing that you are duly thought about this responsibility that you are about to engage. Que vous vous êtes préparé pour y entrer respectueusement. That you have prepared yourself to get in respectfully. Raisonnablement. Reasonably, dans la crainte de Dieu, in the fear of God, je demanderai l'alliance de mariage. I shall ask for the wedding rings. Vous déclarerez la même chose. You shall state each other the same thing. Alors que vous joignez vos deux mains. And you shall join your two hands. Regardez-vous. Joignez vos mains droites. Join your right hands. Okay. Voilà. Brother Zoe. Êtes-vous en âge de vous marier? Are you on the age of getting married? Oui, pasteur. Est-ce que vous aimez Sarah? Do you love Sarah? Oui, est-ce que tu as un logement où la mettre? Do you have a house where you can take her? Oui, pasteur. Si aujourd'hui elle a des enfants et tout, après quelques années, et que toi tu perds ton travail ou quelque chose, est-ce que tu vas la renvoyer chez le père? If today after a few years that she has children and that you lose your job, will you send her home back to her parents? Non, parce que nous sommes pas. Yes, sir. Ainsi, frère Zoé, voudriez-vous prendre cette femme comme votre épouse légitime? Pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale. Therefore, Brother Zoe, will you like to take this woman as your legitimate wife and live with her in this legal union? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, de la supporter dans la maladie ou la bonne santé, la richesse ou la pauvreté. Promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes et de ne rester attaché à elles et à elles seules aussi longtemps que vous vivez. Est-ce que tu penses ça? Je promets ça, pasteur. Sœur Sarah, est-ce que tu es à l'âge de... Oh là là. Pastor Sarah, are you on the age of getting married? Pastor. Est-ce que tu aimes Zoé? Oh là là. Zoé. Bon, si quelque chose arrive et il y a une autre corona, et qu'il n'y a plus de travail et les histoires commencent à compliquer, tu ne vas pas demander de rentrer chez frère. If something happened that there is a new wave of corona, and that he has lost his job, won't you ask to go back to your parents? Ainsi, Sœur Sarah,
voudriez-vous et accepteriez-vous de prendre cet homme comme votre mari légitime pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de le supporter dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté? Promettez-vous d'abandonner tous les autres hommes et de ne rester attaché à lui et à lui seul aussi longtemps que vous vivrez? Est-ce que tu promets ça? Oui, je le promets. Alors, je vais exiger l'alliance de mariage. Est-ce qu'il y a des bagues? Ok. Voilà. Maintenant, vous allez prendre vos bagues de la Bible. You shall take now your wedding rings from the Bible. Comme faisait Frère Branham. As Brother Branham used to do. Et il a dit, quand vous prenez vos bagues de la Bible. And he said, when you take your rings from the Bible. C'est pour montrer que votre vœu que vous avez fait vient de la parole. It shows that your vow that you have made comes from the word. Ça fait longtemps que tu as entendu ce temps ici. It has been long time that you've been waiting for this moment. Alors, frère Zoé, tu vas prendre la bague de la Bible. You take the Bible, the ring from the Bible. Et tu vas la faire porter. And you put it over hand. Et pendant que tu vas la faire porter, and while you'll be doing so, dis-lui quelque chose. You'll be telling her something. Quelque chose que tu as toujours voulu lui dire. Something that you've always wanted to tell. Ah, je vois que vous commis un mot qui n'a aucun mot. Something that you've written is not. Alors, c'est sérieux. Yes, this is serious. N'oublie pas. Don't forget. C'est devant les saints. Before the saints. Et devant Dieu. Amen. Oh God. Sarah et Yohana. Yes, sir. Les parents sont là. Parents are here. Moi aussi je suis là. Oh là là. Loba. Jata boa papa wan. Lame lame. Moi, Zoé Kalemba. Oh là là. Je te prends toi Sarah Kumbi. J'aime cela. Mon épouse. Oh là là. Tel que tu es. Mm-hmm. Je te promets de t'aimer et de te respecter pour notre vie à Dieu. Je m'engage avec amour et loyauté à partager le reste de ma vie avec toi. Je te promets encore. Hein? Mon vie ne manquera jamais. Oh là là. Voilà. C'est ça qui fait notre joie. This is what makes our joy. Exactly. Quand nos jeunes gens. Our young people se promettre devant les saints, devant Dieu, promising each other before the saints, faisant ce qui est juste. Exactly. Ça fait la joie des parents. Amen. The joy of the parents. La joie de la famille. The joy of the family. De l'église. Of the church. Du pasteur. Amen. Du pasteur. Et de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Sarah. Zambé. Zoé. Sarah. Sarah. Here is Brother Zoe. Here is the wedding. What are you saying? Dis-lui ce que tu as toujours pensé lui dire. Amen. Amazon est en parle.
J'aime celle-là. I love you beyond words. And what I love the most about you, the fact that you bring me more closer to God. I really appreciate what you have done, honoring me in front of my parents and in front of everyone here present. I promise to be the best wife with all my strength. I believe that God will lead us till eternity. I love you so much, Zoe, with all of my heart, my soul, and my body. Ok, nous allons prier. Voilà. Vous allez mettre vos mains sur la voile, la Bible. Ok. Nous allons prier pour eux. Fermons nos yeux et restons tranquilles. Nous allons prier. Elohim, Dieu Tout-Puissant. Elohim, Almighty Father God. Toi qui avais béni le premier mariage en Éden. You who blessed the first marriage in Eden. Nous sommes rassemblés ici par ta parole. We are gathered here by your word. Tu as entendu les vœux de tes enfants. You heard the vows of your children. Ils ont pris la Bible, ils ont pris les bagues de la Bible. They took their wedding rings from the Bible. Ils ont mis leurs mains sur la Bible. They put their hands upon the Bible. Comme faisait notre prophète. As our prophet used to do. Seigneur, pour que toi tu sois le lien de perfection qui les unit. So that you may be the one who has united them in perfection. Nous nous tenons ici par l'ordonnance de ta parole. We are standing here by the power of your word. Afin que tu bénisses ces jeunes gens. So that you may bless these young people. Bénis leurs vœux. You bless their vows. Bénis leurs décisions. Bless their decision. Bénis Sarah, Seigneur. Bless Sarah, Lord. Écoute le vœu qu'elle a fait devant les saints, devant toi. Hear the vow that she made before the saints and before you. Agrée ça dans le lieu très haut. Agree with it in the high places. Écoute le vœu que ton fils a fait devant les saints et devant toi. Hear the vow that your son has made before God and before the saints. Scelle cela dans les dimensions les plus élevées. Seal it in the very high places. Afin que dans cette nouvelle vie où ils vont commencer. So that in this new life that they will be starting, que tu sois le lien de perfection, that may be the ring of perfection, qui va les unir, that shall unite them, maintenant, now, et pour toujours, and forever. Ainsi par l'autorité de la parole, therefore by the authority of the word, qui a été donné à William Branham le grand prophète, that was given to William Branham the great prophet. Je me tiens ici comme son auxiliaire. I'm standing here as his auxiliary. Pour déclarer ces jeunes gens. To state, to declare these young people. À partir de maintenant. From now on. Comme mari et femme. As husband and wife. Que le soleil du bonheur. Let the sun of joy. S'élève dans leur vie. Amen. Rise upon their lives. Et que cette nouvelle vie dans laquelle ils vont entrer. And this new life in which they are getting in. Soit une vie de bonheur. May be a life of happiness. Pour la gloire de ton saint nom. For the glory of your holy name. Je les déclare mari et femme. I declare them husband and wife. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Acclamons très fort. Amen. Ok. Le service est fini. Rentrons à la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Arrêtez d'abord la musique. C'est pas fini, c'est pas fini. Bon, Zoé. Now, Zoé. Voilà. Enlève le voile. Tu as le droit de rachat. You have the right of redemption. Le papa avait dit oui.
The father said yes. Tu l'as promis. You promised. Yes, sir. Tu as entendu. God heard. Enlève le voile. Take out the veil. Embrasse la mariée. And kiss the wife. Embrasse la mariée. Moto. Mata bisou. Embrassez la mariée. Embrasse la mariée, c'est le message de l'heure. Oh là là! Embrassez la mariée. J'aime cela. Est-ce que quelqu'un peut aider ici pour enlever ça le voile et Sarah puisse mettre ça sur l'épaule? Ok, donnez ça et elle-même puisse mettre ça sur son épaule. Voilà. Ok. Épaule 3. Ok. Voilà. Maintenant, retournez-vous, regardez l'audience. On va s'embrayer ça. On va s'embrayer déjà. Voilà. Autorisé. Bon. C'est ça. Oh là là. Ça les concordances. On va les TikTok. Fati béton. Ça reste là. Ça, on sait pas bien. Voilà. Donc, je vous présente le couple Zoé Kianzi. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous tous, vous allez sortir d'abord et vous mettre tout au bord. C'est ce qu'on m'a dit. Mm-hmm. Et puis, et ils vont sortir au milieu de vous. Musique Zobeta, pendant que vous sortez les gens. Pour honorer un couple qui nous a demandé
de leur parrainer. Et c'était d'abord une famille qu'on a connue, ça fait déjà 5 ans. Ses parents nous ont aussi beaucoup aidés lors de notre mariage. Et aussi, on les a connus dans l'église de pasteur Nathan Pengue, qui est aussi un grand frère, quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu aussi dans mon ministère. Et c'est comme ça qu'on a accepté, lorsqu'ils nous ont choisis étant leurs parrains. Et on a accepté, et voilà, Dieu nous a vraiment beaucoup aidés jusqu'à ce que nous avons arrivé à ce point ici. Et la journée continue encore. We always wish the best, you know. It's not about what we do. We really wish is what God is having as a plan in their life. That's what matters. Because men will be having different wishes, you know, good or bad. But only God can wish something and also make it happen. Amen. So we pray and wish God can be really in the center of their marriage in order for them to go according to the message of Brother Branham, which linked also us in spiritual level. Quand mon épouse et moi, on a compris que c'est important d'abord d'essayer de trouver des solutions à deux. Et si cela ne nous convient pas, c'est à ce moment-là qu'on peut faire appel au pasteur. Mais je crois que tout ce que le pasteur aussi peut nous dire, c'est dans le message. Et si vraiment nous aimons le message et que le message est dans, au centre de notre couple, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Regardez ce qu'ils disent le message. Est-ce que le problème que vous rencontrez par rapport au message, c'est là vraiment, est-ce que vous pouvez vous aligner dans ce que disent les messages? Et si cela est possible que vous pouvez le faire, je crois que vous n'aurez pas de problème. Il y aura toujours la solution dans tout ce que vous allez entreprendre. Voilà. Pour moi, un grand conseil, c'est d'abord aimer Dieu. Si vous mettez Dieu au centre de votre couple, tout problème sera léger. Donc, voyez la grandeur de Dieu dans votre couple plus que les problèmes, quoi. Donc, c'est ça mon grand conseil à donner. C'est le pasteur Nathan Epengue. Je suis le pasteur de Zoé et de Sarah. Je suis très honoré et très content de venir consacrer leur mariage aujourd'hui. Ce sont mes enfants et je suis toujours dans la joie. Mm-hmm. Quand mes jeunes gens se marient et vivent bien. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi, et pour la famille et pour l'Église. Je suis très honoré et je crois déjà que tout est déjà en train d'être bien passé. Et je crois que le reste sera aussi bien. Donc, mon impression pour le mariage de Sarah et de Zoé, c'est que ce sont des jeunes gens qui me sont très proches et que pour moi je suis pas simplement comme un pasteur seulement, mais un peu plus aussi comme un parent pour eux dans cette ville ici. Et je suis vraiment très heureux pour ça. Donc c'est pourquoi nous nous sommes déplacés ici loin à Krugersdorp, à plus d'une heure, je pense, presque une heure de Johannesburg, et pour cette venue, là où on a loué pour le mariage. J'ai toujours donné les conseils à tous les jeunes gens que je rencontre partout, par-ci, par-là, et ici spécialement dans mon église, c'est de rester attaché à la parole. Parce que l'âge est très mauvais et beaucoup de jeunes, voyez, beaucoup de mariages sont en train de voler en éclats à cause des manques du respect aux principes qui lient les deux jeunes gens dans des liens sacrés du mariage. Mon conseil, c'est ce jeune couple qui avait dit à William Branham, notre prophète, ils ont dit, frère Branham, ils venaient de les consacrer, et ils ont dit, frère Branham, nous nous regardons à toi, et toi tu regardes Dieu pour nous.
Donc voilà les conseils que je vais donner à Zoé et à Sarah et à tous les jeunes qui se sont mariés ou qui sont sur le voie de se marier, de regarder à William Branham. Et William Branham va regarder Dieu pour eux et leur lien sera toujours fort, voyez, et prêt pour aller de l'avant et résister aux épreuves de la vie. Parce que, comme dit le prophète, le diable ne sera pas content de voir deux jeunes gens se marier et commencer une nouvelle vie. Dans ces temps ici, c'est super important qu'ils se tiennent dans leur garde. Parce que nous vivons le temps de la fin, là où la Bible dit que les gens se mariaient, divorcés, se mariaient, divorcés. Cela est devenu une vie normale. Voyez-vous, surtout avec les films, les séries, et les choses qui se passent dans la télévision, dans le monde, ils sont en train de dégager des mauvaises vibrations aux jeunes. Voyez, et ce qui fait que des situations pareilles sont très rares. Mais nous croyons que Dieu aura toujours des témoins comme Zoé et Sarah. Donc voilà. I'm Sister Naomi Pengi, the wife to Pastor Nathan. The advice I would give the couple is just to love each other, respect and honor, because if you do not respect somebody, you can't love them, you know. So for them to be able to respect one another, they have to love and always be there for one another, because that's how we do. We always respect one another and love, and that's how we go from strength to strength. And I think that's it. Love one another. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing, God is good. Yes, you will come again with a new song of praise.